des vraies volontés de travailler beaucoup sur les broderies, les décorations, les détails. Voilà, chaque collection, je me donne un objectif. Et là, vraiment, c'est de travailler dans le détail, travailler. On a élaboré une manche, un système de coupe, le développer sur tout le défilé. Enfin, vraiment, que ce soit une collection à la fois très diverse et finalement, chaque pièce a un lien. Il y a vraiment un fil conducteur. C'était vraiment de lier la collection à la féminine, le prêt-à-porter féminin au prêt-à-porter masculin. Et vraiment, je pense que dans ces deux collections, moi j'ai toujours vu le lien, mais je pense que là le message était très clair et je pense que j'avais besoin de le donner parce que j'ai eu des échos que les gens trouvaient que c'était différent. Donc voilà, moi, pour moi, je pense qu'on ne peut pas habiller un homme et une femme pareil, c'est Barbie et Ken. Il faut trouver ça ridicule. En plus, une femme, on l'habille d'une robe. Et un homme, il faut plusieurs vêtements pour l'habiller. Au moins un pantalon et un haut. Donc l'idée, c'était vraiment voilà, de garder le côté, l'identité de chaque collection, mais vraiment dans les thèmes, dans le graphisme, vraiment trouver un lien reconnaissable pour les acheteurs, les journalistes, pour qu'ils comprennent que c'est vraiment un univers ce qu'on propose. Voilà, j'ai fait ma gamme de couleurs pour mes chaussures, pour la collection, et puis quand j'ai réuni cette gamme de couleurs dans les fils pour faire ma collection de collants, j'ai découvert que je ressemblais beaucoup au label Rive Gauche. Et j'ai vraiment pas pensé au début. C'était vraiment inconscient. Mais je pense qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas de secret. C'est quelque chose qui est tellement dans notre, dans la mode, tellement important dans notre vécu que c'est des couleurs tellement belles en plus, cette gamme, que voilà, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'étais très contente de découvrir qu'inconsciemment, j'avais fait totalement ça. 3, 2, 1.